Hey yo, what's real? You walking on the ground with blood spilled. The dirt ain't even dry, it's mud still. The truth is a buzzkill, but if it won't save you, what will? Ignorant to tell you to just chill, but that's how the dust build. I recommend a shovel instead. Dig deep, uncover the dead. It's suffering and bled, the gutters are red. Blood in the streets, check the receipts, yeah. While some feast, some got nothing to eat. We call it peace, view from the good seats. The hood streets on fire, empire say that's how it should be. Not a bug, but a feature. Become what they teach you and you rise with no love for the creatures. Salut à tous, c'est Chris Boy. Aujourd'hui les potes, je vais bien vous expliquer pourquoi Rockstar va modifier certains prix des véhicules. Donc il y aurait certains prix des véhicules qui vont augmenter et certains prix des véhicules vont baisser. Donc regardez bien et profitez-en avant que le prix va totalement changer. Donc tout d'abord, Rockstar va modifier certains prix des véhicules aériennes pour pouvoir bien équilibrer par rapport aux véhicules. Donc c'est le fait que pour les sessions publiques, c'est un peu trop cheaté. Donc il y aurait certains avions qui veut dire P620 laser, voilà quoi, plusieurs avions qui vont être nerfs. Donc il va avoir moins de capacité, par exemple, je crois, pour tirer vers le bas ou bien tourner. Donc c'est à voir. Mais en tout cas, ça va être un peu nerf comme pour la MK2. Donc franchement, les potes, faut totalement en profiter. Donc si cette vidéo va vous plaire, n'hésitez pas à liker, le t'abonner et d'activer la cloche. Et sur les frérots, je vous laisse sur cette vidéo pour vous montrer quel véhicule qui va baisser et quel véhicule qui va augmenter. If I gotta catch me in person.